pratiquement axé sur l'évolution d'un enfant. Parce que le contenu de la licence DECAF pratiquement concerne les enfants de 6 à 12 ans. Donc le grassroots en anglais, le talent en herbe. Donc c'est les caractéristiques de l'enfant et tout ce qu'on peut obtenir de l'enfant à base de jeu. C'est ça le contenu de la licence DECAF. Mais ce n'est qu'une étape. C'est une étape de la grande et longue histoire de formation de la Confédération africaine de football. Parce que c'est le point de départ. C'est-à-dire que la licence, après la licence D, vous avez la licence C. Après C, vous avez la licence B. Après B, vous avez la licence A. Ensuite, vous pouvez être expert ou bien DTN. Donc c'est un point de départ et c'est pourquoi tout a été axé sur l'évolution d'un enfant. Comme je l'ai dit tantôt, l'enfant est le petit de l'homme, mais ce n'est pas un homme. Cela dit tout simplement qu'on ne peut pas prendre la responsabilité d'entraîner un enfant comme un adulte. C'est pourquoi on dit que l'enfant est le petit de l'homme, mais ce n'est pas l'homme.